Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Si vous voyez que Momo il a une tête bizarre et moi j'ai une tête bizarre, non, non, si vous les voyez essoufflés, la famille, ils se sont battus juste avant. On s'est battus, non, pas pour de vrai. Pas donc, pour de vrai. Pas ouais, pour voilà. De vrai. Sinon, ils seraient pas là, bien sûr. Ils seraient pas là, vous pouvez le deviner. Bref, la famille, attends, non. Wallah, on fait un vidéo combat, moi et lui. Le truc là, on a droit aux pieds, aux mains, aux coups de genoux, aux coups de. Ouais, c'est surtout. Putain, il m'a mis un coup de genou dans. Dans. Comment on appelle ça déjà? Dans la tempe, frère. Excuse-moi, mais j'ai. Imagine, je te. Imagine, ouais, je t'ai même pas fait un vrai bisou, frère. Un asthmatique, ouais, on dirait qu'il l'a fait par wifi. Imagine, imagine, je te tue en vidéo, Zara, qu'un coup de genou sans faire exprès, ou tu me mets une claque sans faire exprès. Ouais, ça serait la merde, hein. C'est chaud. Bah, après, c'est top, parce que. T'as la daronne qui va arriver, elle va juste te parafler, donc. C'est mieux que tu te suicides, après, si tu me tues. Chaud un peu. Ouais, chaud. Bref, en tout cas, aujourd'hui, vidéo assez importante. Momo, on voulait rapidement leur parler de quelque chose parce que on voit souvent des gens le mettre en commentaire. Et aujourd'hui, on voulait voilà, y répondre. Alors, vous me connaissez de base, les abonnés, les anciens qui me suivent. Vous savez très bien de base, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher la merde. Je ne suis pas quelqu'un qui va les provoquer. Vous savez très bien que si je peux éviter les embrouilles, je les évite. On a fait beaucoup de pranks, embrouilles. Ça, je kiffe faire des pranks embrouilles, faire des grosses embrouilles fake et tout. C'est la patate sa mère. On va pas se mentir. Dans des villas voilà. Et tout ça, il n'y a pas de problème, on est d'accord avec vous. Voilà, ça c'est ok, ça c'est super marrant. Vous savez que c'est un fake, que c'est un prank. Donc vous savez qu'on n'est pas en train de se battre pour de vrai comme on a fait avec Saphir, par exemple. Ou la villa, ils ont cru qu'on s'embrouillait vraiment sale. Vous, vous avez kiffé. Tu vois, les vidéos comme ça, moi j'aime bien. Quand c'est vraiment, on va dire, il y a de l'acting dedans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a une petite partie d'acting. C'est très intéressant comme vidéo. Mais faire des vidéos en mode on s'embrouille publiquement et tout, c'est vraiment pas le genre de choses que je kiffe. Et beaucoup d'entre vous disaient exactement, tu peux peut-être même leur dire ce qu'ils disaient. Tout simplement, ils se sont dit Momo Abdel en embrouille, c'est pas possible. Abdel qui fait des vidéos sur Momo où tout simplement il dit des vérités, c'est pas possible. Momo qui répond avec des vérités, c'est pas possible. Du coup, ils ont tout simplement trouvé ce prétexte-là de dire que c'est fake pour répondre à plein de leurs questions. Alors, je vais vous dire un truc. Ils sont dit, bah, c'est fake. Je vais vous dire un truc dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette vidéo elle a lieu. Je comptais, avec Momo, vous pranker, faire une bagarre fake pendant une semaine, deux semaines même. Je comptais, avec Momo, qu'on fasse une musique l'un contre l'autre, qu'on se clash et tout. Et en fait, qui m'avait inspiré pour cette idée ? Logan Paul et Jack Paul, ce sont deux gros youtubeurs américains et ce sont deux frères qui ont beaucoup réussi, on va dire, côté US, ok? Et je me suis dit, pourquoi pas refaire ça en France, une grosse embrouille entre moi et Momo et tout ça et tout ça. Et vraiment, à la fin, en fait, on fait une vidéo préparation. Salut la famille, salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve avant le prank. Avec Momo, on va se pranker. Voilà la date, voilà le jour, quel jour il est et tout ça. On vous aura montré des vraies preuves, nanana. Et du coup, avec Momo, on va lancer un clash, un faux clash en fait. On va se terminer, on va s'attaquer. Il va faire une musique sur moi, je vais lui dire « Ah ouais, tu veux m'attaquer en musique ? Bouge pas, je te réponds en musique. » Et on aurait fait, bref, une musique l'un contre l'autre, on serait un peu attaqué et tout ça. Ça aurait été bon délire, pas méchant. On voulait faire un truc entre frères où en gros, on n'embêtait personne. C'était mon frère contre moi et puis voilà. Et à la fin, on vous annonçait que c'était vraiment tout joué. Mais un mois et demi plus tard, il y a eu cette embrouille qui, elle, était réelle. Il y a vraiment eu une réelle embrouille avec Momo. Et quand on s'est réconcilié, je lui ai dit, putain, quand j'y pense quand même, au départ, l'idée qu'on s'embrouille, c'était une idée un peu en mode acting, faire croire aux abonnés qu'on s'embrouillait, qu'on allait se battre ensemble, qu'on se rentrait dedans. Et à la fin, on allait leur annoncer que c'est un prank. Sauf qu'en fait, bah, le karma a fait que ça... Ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé. Mais on s'est vraiment embrouillé. Et par contre, c'est vraiment pas faux. Parce que si c'était faux, croyez-moi, que déjà, regardez, je vais vous dire juste un truc. Si c'était faux, j'aurais dit à Momo... Un truc, j'aurais dit Momo, réponds plus. Quand je fais une vidéo, réponds. Bam. Quand je fais une vidéo, bam, tu réponds. Et vous voyez bien, il a répondu une fois, il n'a pas fait 150 vidéos. Non, il a fait une, pas deux. Donc, ça aurait servi à rien et ce n'est pas un réel truc en mode buzz. Vous voyez la famille, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous savez, ça va faire bientôt 10 ans que je suis sur Internet. Vous me connaissez, d'accord? Et alhamdoulilah, aujourd'hui, avec plus de 8000 vidéos sur ma chaîne, j'arrive encore à faire des 104 vues et pour moi c'est exceptionnel. Il n'y a peut-être pas un seul youtubeur en France qui à l'heure d'aujourd'hui, 10 ans après, avec plus de 8000 vidéos, avec plus d'1,7 milliard de vues, qui fait encore des 100 000 vues de temps en temps et qui remonte. Là la chaîne en ce moment, vous avez vu, c'est un petit peu compliqué.
des périodes comme ça avec Momo, on en a eu 10, 15, 20, 30 depuis le début de l'aventure YouTube. Des périodes où ça fait les montagnes russes, bam, ça monte, bam, ça descend, bam, ça monte. Là, depuis une semaine et demie, deux semaines, c'est un peu la galère. Il y a trois semaines, c'était bien. Il y a quatre semaines, c'était la galère. Hein. Il y a quatre semaines, je faisais 70 000 vues, 75 000 vues. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on voulait faire une embrouille buzz, vous me faites confiance, on aurait assuré. J'aurais dit à Momo, fais des trucs sales, fais des gros trucs, sors des trucs de fou, vas-y, go. Allume-moi. Allume-moi, je t'allume, on s'allume. Mais à la fin, on dit que c'était un prank, putain. On leur montre que tout était organisé, on rigole avec les abonnés, tout ça. Et à la fin, on leur dira qui a fait la meilleure musique, tu vois. Et à la fin, on aurait peut-être même pu filmer des séquences où je suis avec Momo dans le studio en train de l'aider pour son son contre moi. Et lui m'aurait aidé pour mon son contre lui. Un reportage. Ouais, est-ce que lui, on aurait fait un truc sale. Donc, croyez-moi, l'embrouille de Momo et moi, c'était absolument pas fake. Parce que si on aurait voulu faire un truc fake, on l'aurait bien fait. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tonton, en ce moment, sur YouTube, t'as des cons, ils font des fakes, c'est pété faux. Oui, il y en a certains que c'est pété faux, la famille. Il y en a certains que c'est pété faux. Ils savent même pas faire l'acting, ils prennent aucun. Tu vois, ils se disent, on fait de l'acting, entre guillemets, on fait un truc faux pour les abonnés. Même ça, ils sont même pas capables de le faire bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça reste de l'acting, faire croire aux gens que. Et pour les faire regarder, tout ça. C'est comme un film, au final, YouTube. YouTube, c'est comme un film, c'est créer du contenu. C'est ça. Créer un contenu, créer quelque chose. Alors, créer une embrouille, c'est peut-être pas la meilleure idée. Hein, je dis pas ça, mais vous avez compris où je veux en venir. Aujourd'hui, t'as déjà, ils font des trucs fake et c'est bidon, c'est éclaté contre le sol. Pourquoi? Parce que même ça, ils font même pas un effort de le faire pour leurs abonnés. Non, nous, si on aurait voulu faire une embrouille fake, on se serait assuré de bien la faire. Et pour l'embrouille avec Zantar et Osama, c'est pareil, il y a vraiment une embrouille avec eux, c'était pas pour buzzer ou quoi que ce soit. De toute façon, ça aurait été pour buzzer. Zantar, il aurait fait des trucs réponses. Osama, pareil. Momo, quand on s'est embrouillé, pareil. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça n'a jamais été question de buzz ou de s'embrouiller exprès pour en faire des vidéos. Parce que pour que ça buzz, il faut que les deux parties en jouent. Et à un moment donné, vous avez bien vu, il y a que moi qui sortais des vidéos sur Momo. C'est quoi? C'est une embrouille où je m'embrouillais avec moi-même. Au bout d'un moment, je m'embrouillais contre un fontôme. Elle a arrêté pendant cet embrouille-là. Moi, j'étais plus chez ma mère, j'étais en fugue, pour dire la vérité, j'étais en fugue. D'ailleurs, j'ai un papier, vas-y, là, je vais aller loin, pour ceux qui vraiment, oh, mais on n'a aucune preuve que c'est pas fake. J'ai un papier. Ils ont une preuve que c'est fake, frérot, la GAV, frérot. Ouais, mais ça, encore, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est pour un défaut de permis. Mais en concernant ma mère et mon frère, j'ai un papier, comme quoi j'ai eu un suivi éducatif par rapport à tout ça, la famille, par rapport à simplement que je me suis barré du jour au lendemain. Ma mère, elle appelle la police, mon frère, elle appelle la police et tout. J'ai un suivi, etc., de 6 mois. On a des preuves. Enfin, voilà, on n'est pas là pour prouver que c'est pas fake aussi, mais il faut répondre à certaines questions. Parce que certains, ça les trotte dans leur tête. Ils disent c'est fake, ils nous ont pris pour des cons ou quoi. Il y a rien qui était fake. Le prof, il m'a appelé le lendemain, il m'a dit, wesh, Momo, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens, ils m'ont appelé, wesh, qu'est-ce que tu fais, Momo? Donc voilà, pour vous dire, Saphir le premier, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, sale con, rentre chez ta mère. Ouais, Saphir, c'est celui qui a dit. Il a dit, Saphir, c'est un fou. Saphir, il a dit, ouais. Il a dit, ouais, mais mon Abdel, il a fait une vidéo sur moi. Il a dit, écoute pas bien, petite salope. Il a dit, ton grand frère, il fait une vidéo sur toi, tu fermes ta gueule et tu rentres. Tu fermes ta gueule, tu réponds même pas à ton frère, tu fermes ta gueule et tu rentres. Tu sais, Saphir, il est vraiment. Mais Saphir, vraiment, Momo, il sait très bien que Saphir, c'est le genre de mec. S'il voit rouge, il va te dire rouge, quoi. Il va être tout droit, il va pas te manger les pieds, soit ce que je veux dire, te lécher les pieds et tout. Non. Pour lui, Saphir, il est encore à l'ancienne, où comme moi, le petit frère, il doit respecter le grand frère. Et ça réduit vachement de conflits. Je dis pas que mon petit frère me respecte pas, moi aussi, des fois, j'ai mes défauts, hein, attention. Mm-hmm. Mais à l'époque, les petits frères, en tout cas, avaient un grand respect pour les grands. Et à l'époque même, je dirais que les jeunes, en général, avaient du respect pour les plus grands. Cette période-là, ça n'existe plus trop, malheureusement. Moi, je respecte les plus grands. Ouais, bah oui, ça dépend. Alors, plus sérieusement, en tout cas, voilà, je voulais répondre à ça. T'as un truc à rajouter? Démentir. Hein. Ben moi, la famille, un truc, là, j'en suis presque sûr. Je suis prêt, je vais Abdel à la bagarre. Ça, j'en suis sûr presque. Parce que tout à l'heure, on a fait une lutte, la famille. Il a dit aïe. Oh, je l'ai fait mal. Vous vous rendez compte? Parce que son pantalon, il est tombé. Merci, la famille. On dit que j'étais tout nu avec le cul, qu'elle est presque sortie du caleçon. Non. T'étais pas tout nu en dessous. Non, avec le caleçon. Ah ouais, t'étais avec le caleçon. Bah oui. Voilà. Bah oui. Non mais attends. Il veut dire qu'il a gagné, c'est bon. J'ai gagné. Pour moi, c'est quoi, on ferait une... Non. Moi je suis chaud, on ferait vidéo lutte. Non. T'es chaud? On ferait une vidéo. Moi je suis chaud. Pour voir c'est qui... Voilà, je suis chaud. Sans dégâts, sans violence les gars. Ok. Après il faut que tu fasses attention à toi, frérot.
Mais c'est moi, je suis le grand frère, j'ai le rôle du grand ouais, frère. Mais il est plus grand que toi. Je suis obligé de le défoncer. Il est plus grand que toi en taille. En taille, mais ça veut rien dire la taille. Tu sais quoi, il y a un proverbe qui dit que plus c'est haut, okay, plus, ça. Plus c'est haut. T'as ça ou pas, BG? J'ai vraiment ça. Montre. Impressionnant, j'ai rien, moi, regarde, j'ai ça. Voilà, moi j'ai ça à la fin. Non, mais tu sais, on dit quoi aussi? Il y a un proverbe qui dit plus t'es haut, plus tu tombes de haut, donc c'est très bien aussi. C'est vrai, mais moi je fais ta taille. Ouais. Donc on va tomber tous les deux de haut. Ouais. Bref. C'est quoi, vous aurez une vidéo lutte qui va se faire dans les jours suivants. Ouais. Ok. Ça va vite faire mettre en place le petit merdeux. Parce que je crois qu'il prend la confiance. Red Bull, ça donne pas que des ailes. Bref. Ça va pousser des. Il y a combien à la prime, je crois. S'il te plaît, combien à la prime? Wallah, faut le pari à ah ouais, wow, désolé, Wallah, quand on fait un peu. Écoute, j'ai mis de l'argent à la fin pour ma maison, il n'y a plus de drame, frère. Non, non, quand on fait un combat, il faut que le gars. C'est un partenariat éliminaire. Oh. C'est un partenariat qui sponsorise la vidéo. Tu prends le sponsor. Hein. Ok, vas-y. Carré. Wallah, je suis chaud. Ok. Bon. Il y a une odeur de cramé, est-ce qu'on ne fait pas manger? Bah justement, là, j'attends que... La famille, prenez soin de vous et d'Amifa, à très très bientôt pour deux prochaines vidéos. Ciao tout le monde!